Ça, c'est notre base. Oui, dans cette aventure, nous jouerons en Zerg avec un objectif bien précis. Tenter de survivre en plein cœur de la neige, en face du plus gros clan du serveur, les Sosso. Une aventure qui au départ nous semblait anodine, mais qui va faire ressortir le meilleur de nous, en réussissant des exploits que personne n'aurait pu imaginer. Le plus gros clan russe sur nos côtes, avec deux teams de stream hackers, à quelques mètres de chez nous, promet un wipe à couper le souffle. Et vous vous doutez bien que des plans élaborés à la perfection devront être créés pour s'en sortir, voire même devenir la top team du serveur. Préparez vos popcorns, car un film vous attend, mais juste avant, je vous présente mon partenaire, All.gg. Le plus grand site de gambling Rust. Il dispose d'une tonne de jeux uniquement disponibles sur Oil, comme le Jackpot Blackjack, The Wheel et Coinflip, et plus de 2000 machines. Pour ceux qui ne souhaitent pas jouer de skins, vous avez également la possibilité de gagner des points sur le site qui vous permettront de retirer des skins, de l'argent et même de la crypto-monnaie. Vous avez également la possibilité d'ouvrir une caisse quotidienne avec de potentiels gros gains et des cadeaux toutes les 30 minutes grâce au Rain. Pour ceux qui souhaitent mettre des skins, vous pouvez gagner beaucoup, mais également perdre, donc faites attention. Et pour ceux qui ne souhaitent pas mettre de skins, avec mon code Raven, vous avez 50 centimes offerts. Cela vous permettra de gagner encore plus ou simplement vous prendre un skin. Un grand merci à eux de me soutenir dans mes projets. Sur ce, il est 20h, la match du mois vient d'avoir lieu, la team est prête et l'objectif est de rejoindre la neige, plus précisément l'Arctique, qui sera contesté par plusieurs teams. L'avenir de notre wipe se joue donc maintenant. I just spawned, bro, what the fuck? Ah mais c'est Chibi! Pourcentage de chance que tu te relèves et ah bon? La tactique c'est... Ouais. Vas-y go parler in game, moi je suis muté parce que sinon on va casser la tête au... Mais en fait là ce qu'il faudrait Chibi c'est faire du tissu. Faut qu'on run, hein, de toute façon. Faut qu'on run dans la neige. Go run dans la neige, let's go. La deuxième partie de l'équipe était quant à eux déjà sur place, mais avec très peu de ressources, on va donc devoir les réapprovisionner. L'info est donnée. La zone est clairement contestée par au minimum 3 clans. On risque donc d'être en concurrence directe face à eux. On ne perd donc pas de temps pour prendre un bateau et rejoindre notre équipe. Putain, j'ai trouvé... Là, ça respawn, les gars, les tonneaux, ça respawn. Mais bon, j'ai eu que de la ferraille dans un... Arrive vers le recycleur, les gars. Vas-y, go se rejoindre les gars, les copains. Et on repart tous ensemble vers la base. Qui a besoin d'un arc là en bas? Votre carte est morte? J'ai des flèches moi, pour ceux qui veulent. Quelqu'un veut des flèches ou pas? Ouais. Vous, un recycleur, on est d'accord? Ouais. Père Bajo, tu me fais de la peine avec ton arc. On a des arcs pour tout le monde si jamais aussi. Quitte ton groupe, frère. Tiens. Ouais, il y a des bots encore en fait à l'Arctique. Ah ouais? Ah non, mais pour moi ils sont morts. Allez, les gars, on va à la pause, tranquillou. Pilou. Vous avez recyclé pour code lock et tout? Ouais. Si avez... Moi j'ai 292. Ok, attends, je recycle ce que j'ai là. Vite vas-y, fait, vas-y.
Comme ça, on fait porte en métal et tout. Chazzy, tu peux commencer ton bail. Ouais. Bah, je fais la porte en métal alors. Je fais la double ou simple? La porte shit et simple, j'ai mis une simple. J'ai déjà pépier, t'as un tricot de métal aussi. Ah, carré. Vas-y, bah, je fais simple. C'est qui le. Non, non, c'est moi, c'est moi. Ah, ouais, putain, t'allais prendre. J'en ai 14. Oh, y'a du monde, y'a du monde, vas-y, on va à droite, casse-toi sur tes pieds. Je me heal un peu. Y'a du monde à gauche. Comme ça, on va. Eh, mec, l'article, t'as dit quoi? Y'a un mec pendant l'article. Ok, les gars, on rentre à la base, on déloot tout ce qu'il y a à looter, etc. Ouais, et Shadi fait sa porte. Parce que là, avec une porte en bois, on rentre peut-être en. Regardez à gauche, regardez à gauche. Je viens de le dire. Oui, je viens de le dire, les gars. Vas-y, bien, Shadi. Ah, il est où, Bibi? Il est parti à la pêche. Ah ouais, comment ça à la pêche? Ça nous dit. Je nous pêche tout, je m'en. Oh bah. Oh non. C'est les Balkans, fuyez. C'est qui? Balkans, ils sont beaucoup fuyés, pauvres fous. 40. À peine 30 minutes de wipe et déjà armé jusqu'aux dents. Ce sont les Balkans qui seront en confrontation directe avec les Soso pour la pose de la base. On tentera quoi qu'il arrive de build dans la zone, mais le défi est encore plus haut que ce que l'on pensait. Ah, c'est pas nous la base là? La base, si, le mec. Oh, mais y'a un mec qui build, c'est nous, hein. Il y a deux mecs. Attends, mais non, mais merde, c'est pas de notre base, frère. C'est plus loin. Oh putain, je vais me faire arche. Là, voilà. C'est celle avec les d'accord. Ils sont 3-4. Dis-moi que t'es un bête à ta base. Non, bah non, mais j'ai envie de courir. Faut que j'arrive. C'est une 1 sur 2? C'est une 1 sur 2? 1 sur 3. Oh ouais frère, faut que tu viennes parce qu'il y a du monde aussi c'est dehors, il y a une grosse base. C'est les sous, ils habitent à côté de JLC Brick. Mais faut que vous venez sur moi. Mais quoi, ils sont contact frère. Je suis mort. Mais moi j'ai tout là, c'est la D hein. Essaye de rebuild ailleurs. J'ai rien gros. Cache ça dans le sol hein. Vous voulez pas qu'on rebuild autre part les gars, c'est rien de forcé hein, vraiment. R26 c'était clear, R26. Mais faut que vous bougez. R26 c'était kill les gars. C'était cool, c'était kill. Attends, mais tu veux. Mais il est out. Non, R26, vous allez voir, vous pouvez. Vous allez voir. Pile sur le 26. Sur le 26. J'ai deux lignes de pierre. Une ligne de pierre, pardon. Y'a un mec à l'arc. Pas trop tard avec toi. Dans 20 secondes, je suis là, les gars. Ouais. Il doit être une flèche, bien joué. Il loot le mec derrière que j'ai kill. Ok, j'ai de la pierre, mais il va falloir. Un mec, toi. Ah non, il m'a mis une tête, le bâtard. Y'a bas, je suis sur le bed que tu m'as donné, faudrait que tu me regroupes, je t'attends. La team qui joue le dom, c'est une 2-2. Tout cassé. Il a des vêtements pour moi, bon. Il faut du bois pour que tu puisses build. Mais dans build contact, je vais hein. Crever de froid. Ouais. Je vais péter un câble. Tu me check? J'avais un bed et tout, on est tous gros. J'ai encore tué un mec à l'arc. Non, je suis pas gros. Pourquoi t'es pas. Ah ouais, loot le reste, loot son arc et tout. Vas-y, j'ai de quoi build. Attends, j'arrive, reviens. J'ai de quoi en rentrer. J'ai donné à tiens, il rebasse aussi. Je suis en train d'avoir froid. Ah ouais. Et je te mets la porte. Ah, c'est quoi cette porte en tôle dégueulasse là? My bad. Bon, Avan, tu me déçois, hein. Les gars, mais. Ah, c'est une simple que j'ai fait. Ah fuck. Ah, mais j'ai plus de bois. Tiens. Allez, 400. Oh non. 500 là. Oh non, tu es mort. Oh de froid, frère. Vous avez cassé quoi? C'est une simple que t'as fait. Moi j'ai une double. Ouais, simple. Ah bah, c'est une double en métal, vas-y. Là, c'est ta merde. Ah non, pas en métal. Ah, bah, Inch'Allah. Bah, mais ils vont nous raid instant. Pour moi, faut mettre métal, les gars. Ah, ouais, vas-y, on a du métal, gros. C'est une porte en métal, hein. Bon, la base est build. On va enfin pouvoir commencer à évoluer. Après s'être fait chasser par deux teams différentes, on a 4 infos majeures dans ce début de wipe. Les Soso sont à notre droite, les Balkans à notre gauche, et deux clans français situés juste en face de chez nous, à côté du dôme. L'objectif par la suite sera de les infiltrer pour prendre un max d'infos. Mais juste avant, une session farm s'impose pour rapidement up notre starter. T'as vu, fais gaffe, y'a un mec sur la base, y'avait un mec sur la base, Raven. Ouais, j'ai vu.
Et t'as se battre jeune. Fuck off. Bye bye. Les deux. Non, mais t'es deux et tout là-dedans. Merde. Je suis Keblomero, ils ont une T2 dedans, what the fuck. Et Asma et Tommy aussi le book. Quoi leur nom? Jacques. Zenix. Jacques et Zenix. Barbe. Ouais. Bon, eux, c'est un petit duo. On décide de ne pas trop s'intéresser à eux. Cependant, une team d'hommes semblait bien plus intéressante à analyser et je vais m'empresser de les infiltrer. Eux, c'est la team Dome. Retenez bien leur base car ça sera une de nos cibles principales dans ce wipe. Je vais faire le tour d'un maximum de clans autour de chez nous afin de les scout pour de futurs raids, mais celui qui nous intéresse le plus sont les Soso. Plus de 40 joueurs au total, autant vous dire qu'ils risquent de dominer la zone. Impossible que je prenne l'hélico maintenant. Pour moi. The Bee! Ok, les Soso, il y a vraiment un truc à faire. Ils sont plus d'une quarantaine et mon but est d'analyser un maximum leur base, car on ne sait jamais. Si on arrive à dominer la neige, mes informations joueront un rôle primordial si on doit les raid. Je connais ma mission et je ne vais pas perdre de temps pour la réaliser. Chut, spot, si je commence à mettre accroupi comme un truc.
Zombie, j'ai tenté. J'étais obligé, je pouvais me casser. Bon, j'ai tenté le tout pour le tout et j'ai réussi à prendre pas mal d'informations essentielles sur ce clan. Je note tout ça dans mon bloc-notes et on passe sans trop tarder à la prochaine team. Je ne vous l'avais pas dit, mais nous avions fait un early raid sur la base habitant sur le lac juste à côté de chez nous. Un raid extrêmement rapide que je ne vous ai pas montré, car une situation plus intéressante arrive. Près du Dôme, une team française se nommant les HKO commença à bien progresser, et je décide sans trop tarder d'aller tenter une mission chez eux. Ah, c'est un peu ouf. Vas-y, full pierre et métal, viens me rechercher. J'arrive. Ah, full dead la semi, vous pouvez la looter. En vrai, y'a un monde où... Joe, je t'ai looté, frérot. Si t'as besoin de ton stuff, tu me le dis. Ouais, j'arrive. Non, en bas à gauche. Je vais looter le mec semi, c'est de me protéger. Les gars, on vient de faire un braquage ça. À l'italienne. T'es fou. Attends, mais y a deux bases. Bah, j'ai un inventaire complet de pierre et de métal, frag. Ils font pas beaucoup pour les péter. Hein. Non, c'est pour ça, baquer. Et ils sont semi en plus. Non, mais c'est pas eux à gauche hein, que j'étais. Tu vas me redéposer à eux là-bas, hein, chez eux. Le bol, je sais pas où il est. Là, il y a de la caille et tout. Ouais, sur le bol, je sais pas. Non, ah, mais c'est pas eux. Je sais pas si c'est chez eux. Ah, mais t'as tout chadi en fait. Du métal fondu. Ouais, mais je peux tout te passer ou pas? Ah, ouais, métal fondu. Il y a une plage intéressante qui se build sur le côté. Je suis crevé, moi. Backer, ça sert à rien ce qu'on fait, backer. Bah moi je suis wounded, je suis safe, mais je suis wounded. Je sais pas s'ils ont des renforts. Non mais vas-y. Bon, les HKO, retenez bien leur nom car c'est la dernière infiltration que je ferai chez eux. Ils reviendront plus tard dans le wipe et vous comprendrez très rapidement pourquoi. Vous avez donc capté ma mission. Et la prochaine est simple, construire un avant-poste à l'Arctique pour contester les sosos qui commençaient à bien avancer. Sauf qu'une équipe va rapidement me faciliter la tâche. Ah ouais, il y a des choses ici, c'est quelque chose, hein. Putain, ils sont blindés, what the fuck? Ok, ils ont que dalle, mais ils ont oublié juste à côté des sosos, c'est débile, genre vraiment.
Putain, dommage. Oh là 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 là. Les sosos sont énormément, mais je pense sans prétention qu'en termes de PVP, on est meilleur. Et on essaiera de le prouver dans quelques heures, lorsque l'on tentera tous ensemble de reprendre l'Arctique. Mais pour le moment, on doit se consacrer à la progression de la base, et en termes de productivité, rien de mieux qu'un raid. Si on se compare à nos voisins, seuls les Balkans et les Sosos sont largement devant nous en termes de progression, même si c'est incomparable puisqu'ils sont largement plus nombreux. Enfin bon, on a une cible, mais juste avant, je dois m'infiltrer pour m'assurer que tout est ok. T'as pas l'air d'être pété. Si, ça a été pété. Ah ouais? Ouais. Enfin, je pense, portant bas open et tout. J'ai pas envie de sauter, mais 100% c'est pété cette merde. Bah, tire sur un mur. Regarde comme il a de la suite. Ah bah, attends, je prends carrément toutes les armes. Ils ont aucune descente rapide. Je vois pas que ça a été pété. Si, si, la porte d'entrée elle est. Elle est... Enfin, leur porte de la 3-3 elle est. Hello? Même pas, y'a rien dedans. Mais y'a un mini. Ah oh, non? J'entends des portes ouvertes. Ah, non, 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 c'est open, c'est open, c'est open. Les gars, en vrai de vrai, en ville, vous venez en scrapelli avec genre 12 roquettes, c'est plié. Hein. Avec le pass, roquettes. Vas-y, tous. Et je peux éteindre les tourelles et tout là. Vas-y, Gato. J'ai éteint les tourelles. Ok, les tourelles sont off. On ne perd pas de temps pour tous se regrouper, monter dans le scrapelli et commencer le raid. Je veux qu'il y ait du monde qui reste, je veux qu'il y ait du monde qui reste en haut. On va économiser un minimum. Ok. On va péter ouais, on va péter 8 roquettes. C'est ouvert. Mais tu sais quoi? Ok. Non, shotgun trap, mais c'est décalé, décalé, on va péter 4 roquettes. Bien open. On a fait des roquettes aussi, Stix? Ah bah Stix. Ouais, comme d'hab. Il n'y a pas besoin d'autant, hein. Bah, comme ça, au moins ça va vite surtout, ouais. Ouais, mais il fallait le faire, non? Ah, mort! Vas-y, on okay, attends, attends, ne roquette pas, ne roquette pas, attends. Moi, j'ai une porte de garage devant ne moi. Ne roquette pas, oui, c'est juste. Tu me dis, hein? Ouais, vas-y. Ah, on va faire ceci. On pète 4 roquettes. C'est d'ailleurs plus, quoi. Il me faut des bridgers quand même, au cas où. Ok, ouais, je suis dans la pick down. J'y suis. Moi, je suis en bas des pick down, mais. Vas-y, il y en a qui peut descendre. Dans la chaîne. Je tiens la porte en bas. Là c'est full cible. Okay. Il faut une échelle. Ça, bah, va falloir qu'on creuse. Ok, et en bas c'est tout open, tu m'as dit? Non, il vient de fermer là devant moi. Ok, est-ce qu'il y a des tours? Est-ce qu'il y en a qui peut check s'il y a des tourelles dans le compound? Sinon on va passer directement par en bas. Là on a contrôle plus ou moins. Il y en avait que une. Derrière le mini, j'en vois pas. Ah, j'ai descendu. Là, qui descend avec les. Ok, venez, il y a deux mini. Venez, j'ai sauté, venez. Il est là-dedans, il balance des greffes avec Barton. Gardez le top, hein, gardez le top, je veux juste les roquetteurs avec moi, s'il vous plaît. Ouais, la porte est ouverte. Ouais, mais y'a dit, je sais pas qu'il y avait de tourelle. C'est pas grave. Je la roquette. Là, on le comprend. Ok, on tape plus roquette en face. On tape, ouais. Léo, il est en face, il est aussi. Pas sûr, y'a du counter. Levez-vous pas, hein. T'inquiète. Il nous faut une ou deux personnes en bas. Ouais. Où on va péter, ok, tu pourras direct aller dedans si il en reste deux. Encore une. Open. On a la TC. On peut passer. Qui monte au top, les gars? Il a open au top. Okay. Si tu sais, pète la TC. Je m'occupe de roquettes solo, les gars. En est, le crotter. En est. Décale, Will. Décale. Quand il donne un dans l'eau. Un de chaque côté du compas, s'il vous plaît, pour pas qu'il re-rentre qu'une. Styx, ouais, va de l'autre. Raven. Gref, il se casse de l'autre côté, les gars. Il faut vraiment que. Styx, va de l'autre côté du compound. Par rapport à moi, tu fais comme moi et tu les laisses pas rentrer. Ah, il est en train de se casser avec du loot, putain. Ouais, c'est possible, ouais. Attends. On peut pas. Bien joué. Il avait tous ses coups sur lui. Ouais, il avait tous ses coups.
full toi, s'il te plaît. Un maillot dedans. C'est bon, j'ai évité tous les shotgun trap du top. Un perso féminin avec un maillot dedans. Serpent là. Il est counter. Oh, il y a du monde, je suis dedans. Ouais, tu descends. Down sur le toit. Bon, vous venez de l'entendre. Le counter commence à arriver sur ce serveur. Vaut mieux vite bouger quand on organise des raids car tout peut basculer en une fraction de seconde. Et c'est le premier véritable raid d'une longue série. Rentable en compo, on décide de prendre une décision hyper risquée mais qui peut changer le cours de notre wipe. Raid les Balkans qui sont le double de nous. Leur base est en construction et n'ont toujours pas de tourelle sur le top de chez eux. Un top down est envisageable mais hyper risqué car nous n'aurons pas de chance supplémentaire en cas de mort. Cependant, on aime le challenge. Et on décide de prendre ce risque. J'ai pété. Tu bridge? Non, non, mais on va être 4 ou 4, les gars. Ouais, c'est arrêté de commencer par bridge. Un mort. Oh putain. Plus de crap. C'est pas grave. Les gars, les MX. Encore un. Ok, quoi. On est dedans, en c'est du métal, ça? Ouais, ça, métal. Ok, suivez-moi. Regardez. Ah, c'est chaud, attends. Ouais, c'est un peu compliqué. T'as combien de roquettes? Ouais, c'est chaud. Non, ouais, mais envoie, hein. Tu fais un top down ou hein? Cherche pas, hein. Ouais, vas-y, top down. Vas-y, top down, go top down. Décalé. On va ouvrir de mon côté là. On a les feed down ou pas, hein? Non, mais. Pas d'effort, les gars. Comment je la prends? Comment je la prends d'aussi loin? Non, mais vous allez dans les roquettes. Et moi aussi, j'ai fait. T'as Will? Ouais, je prends les roquettes. Attention à l'intérieur. J'ai pas de. Je peux pas. J'ai touché à l'intérieur. Roquette à l'intérieur. Mets-en 8. Cherche pas à comprendre, Will, s'il te plaît. Cherche pas à comprendre, roquette. Moi, c'est parce que j'ai pas envie de cliquer les mates déjà. Allez, calme, s'il te plaît, stop. Les grenades, c'est complètement débile, ça va ricocher un peu. Mick, envoie-moi des roquettes. Bah, je t'en ai droppé. J'ai eu talenté. Continue, les gars. L'hélico, c'est nous. Ah ouais, c'est nous. Les gars, j'ai. Oh, je suis mort en bas. L'enchaîne, les gars. En bas, pas pick down. Bah, Michel, ne regardez pas, s'il vous plaît. Regardez pas tous le trou. Genre, à la limite, Irbaskin au cover, le reste, regardez. Ouais, je suis là, moi. On en a des roquettes, c'est pas le souci. Arrêtez les roquettes. Faut péter un max sur le bête. Là, c'est de la chute, ça va être long, mais c'est bon. Y'a un minus qui est peut-être dans les gars. Pas de gaffe. Dès que ça pète, envoyez une roquette dans le vide. Dès que c'est pété. T'inquiète. Même une minute, on va péter les belles. Les roquettes, on en a un infini à la base. Oui, c'est ça, c'est ça. Il me reste plus qu'une là. J'en ai plus. Y'a full counter. Attends. En 190. Si vous me regardez. On pète les portes de garage, tout ça dedans. Ouais. Hélico que c'est crash ou qui a pété, je sais pas. Il m'a pété dessus le mini. Les Z1 qui coupent. On a quelques. Tranquille le toit, les gars. On va plus revenir. T'as ouvert une porte de garage, attention. À gauche. Roquette à gauche, s'il te plaît. Il est mort. Non, il est pas mort. À gauche, ici. Roquette ici, s'il te plaît. Attends, je suis en train de recharger, je recharge. Ou tue-le, je sais pas. Il est où, attends, il est où, à gauche? Ici, ouais. Je l'ai peut-être kill en une balle, mais. Non, il est pas mort. Roquette-le, il va me chercher. Il y a deux morts en bas. Ok, je saute avec Ninja. Allez, je saute avec Ninja. Ah, je suis mort. C'est un mec ou une tourelle? Descends, descends. Sur le toit, les gars. Mort sur le toit, bah. Mais oui. Faut descendre, les gars, s'il vous plaît! Descendez! Oh, bah, je suis mort! Ah, ouais, ils sont à l'étage! Les mecs du top, vous pouvez pas les kill? Non, mais ils sont morts! Y'a tout le monde sur le toit! Y'a 5 mecs en bas qui pètent! On s'est fait HV, on s'est fait rush par des hélicos! Je viens de faire un soutien! Il revient de la base. Je peux pas. HQM. Ah, il m'a roqué à l'instant. Ouais, il avait tout. Putain.
Ah ouais, ils ont une base juste à côté. En fait, un point très important n'avait pas été mentionné. Les Edain, qui étaient un très gros clan du secteur, habitaient à quelques cases des Balkans, et malgré que nous avions le contrôle quasi total de la base, après avoir détruit nos hélicos, ils vont venir à plusieurs se poser sur le toit, sans que l'on puisse rien faire. Devoir gérer les Balkans ainsi que les Edain était bien trop compliqué, au vu du nombre que nous étions. Enfin bon, on ne compte pas se démotiver, surtout que nos mates venaient de faire tomber l'hélico à quelques mètres de notre base. De quoi nous relancer de la meilleure des manières. Y'a un mini qui vole au-dessus. Mais ouais, on va le faire. Il est en tout toi là. Ouais. Je sais pas où il est. Bien joué, je vais de l'autre. Il me faut des balles, j'ai plus de balles. Les 4 roquettes. D'ailleurs, mon corps aussi. Il nous avait pas l'autre, les gars, il a deux pas les gars. Deux fois ces 4 roquettes. Oh nice. Mais pas l'autre. Il a pas les gars. Non, je crois pas, MX. Ah, MX. Oh, y'a un mec, y'a un autre mec. J'ai juste pas en bas, dans le canton bas. Ah, sur moi les gars. Je suis dead. Tu vois pas? En bas. Vas-y, arrête. Oh, mais je vais à dépôt, ça te rate, hein. 260. Je te couvre de loin, là, au sniper. 260. Ouais, il a une grosse tête. Ah ouais. Ouais, je t'ai passé 3 caisses de ces 4-4. Ouais. T'as des soins rap ou pas, ça? Système 2, Inch'Allah. Tiens, j'irai m'en rechercher. J'ai que ça. Ouais, moi, fuite. Essaye de danser un peu pour. MX, viens, MX. Il m'a triple headshot. MX derrière toi. Ouais, c'est bon. Giraka, il est devant nous. Il est mieux faire. Sur toi, Raven. Il est mort, le Giraka. Monsieur, il rentre sur l'Azmat maintenant. Azmat bleu. Elle est en haut. Elle est un peu plus haut. Elle est entre Punch et toi, Raven. Ah, je l'ai vu à la. Elle est sur moi, sur moi. En haut, oh, ouais. Y'a Steph avec AK et tout là, je fais pas le chibi, s'il te plaît, loot le. Il a 4 AK sur lui. Ah, je voulais entendre tirer, hein, c'est un Giraka. Il a pris la mienne. J'arrive sur toi, mais. La Smith, c'est où, c'est quoi? T'as un full gear, en reste ou pas? Oui, oui, ouais. Bah y'avait pas l'autre dedans chez lui. Juste la clé, quoi. Bah tiens, j'en ai. Je l'ai vu en. En 250 aussi, en fait. Ouest. Il y a une semi là. Oh, la case là-bas derrière les. Ah, je vois, ouais. Il y a une AK sur le corps du mec semi. Il a pris ta tête, le mec qui vient de tirer. Ok. Ouais, ça y est, Shark, tu vas une équelle. C'est sa base, les gars, faites attention. Allez, looter Mario. C'est chez eux. Bah c'est tout loot Ouais j'ai tout loot. Bah et vous ils arrivent en loose DR. Faut les destroy. La team Dome, tiens. On sait que ce seront les premières grosses cibles du secteur que nous raiderons. Je les avais infiltrés en début de wipe et l'objectif sera de les détruire entièrement dans quelques heures. L'hélico venait d'être safe et la mission désormais est de reprendre l'Arctique au Soso afin de rattraper le retard que l'on avait en termes de compo. Le défi est rude, mais si on est solide individuellement, tout devrait bien se passer. Ah bah. Ah mais c'est qui Azmat Sneaky? C'est lui. Ouais c'est. Bien joué Ramenos. Ouais. Un mort. J'arrive. Le bot. On mort Azmat aussi. C'était nous qui m'ont tiré. Il est mort. Il est mort, il a quelqu'un dans le bac. Ouais. Bien joué. Y'a une AK à loot, hein. Oh, j'ai loot à la fin. Y'en a encore au top ou pas? Eh, sur Smic, les gars, sur ceux qui sont morts, revenez, j'ai du stuff. Sur Will Smic. J'ai tué le mec qui t'a tué. Là, j'ai tué l'AK qui a tué. Bien joué. GG. Nice, les gars. Allez, continue comme ça. Allez, sur Will Smic, les gars, ceux qui ont pas de stuff. Banqué, hein, le surplus, les gars, banqué. Ouais, dans ma petite base, y'a une petite base, go bank. Ah ouais. Ouais, bah j'ai juste un gear quoi. C'est frérot. Bibi, prends mon full kit si tu veux. Prends-le et en face de toi, au niveau de la souche d'arbre, y'en a qu'un. Normalement. D'abord, mon bim. À terme. Pardon? Le t'es pas mon corps? Ouais, je sais pas si. Ah, je sais pas, je pense que c'est le full gear qui l'a. Go pass le la farmer Star Kick ou? Je l'ai pas, mec. Nice. Là, je banque les kits. Ouais, c'est qui met, Bibi? Il y a basse. Non, il a pas gros. Vas-y, je ramène un outil. Non, il va pas l'outil.
J'en ai marre d'avoir des baisses d'FPS quand j'arrive en bas, ça me... Vas-y, j'arrive bébé. Par contre, quand ils vont voir que... Il faut vraiment être discret quand on va à cette petite base. Ouais. Raven, c'est sorti en est. Pardon. T'as plein qu'à droite. Ah, je crois qu'il est mort, 4 hits. Pas le push, il a une balle. Ah non, il y en a un deuxième. Mort. C'est un deuxième. Non, c'est un deuxième. Je suis mort. C'est, un c'est pas lui. Ouais, non, c'est un deuxième. Ouais, c'est un deuxième. Ouais, bah, je pensais pas qu'ils étaient 4. Bah, dedans, gros. Dedans, il reste à y aller double. Je pensais que c'était lui. Tu l'as fini du coup, le mec. Bah, j'ai double hit. Non, celui que tu m'as dit, l'eau, mais c'était pas lui. Comme vous le voyez, c'est l'anarchie. Ils ne font que venir en vague sans s'arrêter. On va tenter de tenir le plus longtemps possible, mais la mission risque de prendre fin s'ils décident de venir tous ensemble. Ah, il en prend un. Il est mort. Nice. Les deux, carte bleue, toujours au milieu, carte bleue. Ça arrive de la gauche. Je veux pas carte bleue. T'es dans le sud de derrière. J'ai 50 HP, c'est chaud là. Malgré un nombre conséquent de joueurs, nous arrivions toujours à nous en sortir, et on finit par transférer l'ensemble des ressources présentes dans notre base de farm. Car oui, les sosos habités juste à côté de l'Arctique ont un avantage qu'ils ne vont pas saisir. Cependant, ils décident de venir raider notre base de farm juste après le transfert que l'on avait fait. Don't tread. J'essaie de bait comme quoi, j'y tiens. Regarde, la tête, elle est là. Là. Ah oui, c'est des centres, hein. Ils ont duré, ils ont dû porter derrière l'intérieur. Ah, prenez. Les gars, prenez. Ouais, mais heureusement que j'ai mis le garant. Mais du coup. King, s'il vous plaît, gardez une ligne. J'ai vidé. Les gars, gardez la ligne de la porte. Descendez, les frères, s'il vous plaît. Gardez la ligne de la porte, la vie, c'est winnable. Oh là. Ils sont back, la tête de l'homme, c'est winnable. On m'a laissé. Tiens. Oh. AK au sol, les gars. Attends. Recharge les DB, ils pourront pas passer. Tête de l'homme, ils pourront pas passer. Par contre, si vous gagnez là, c'est. Oh là, je l'ai été insulté dans le chat, hein, vraiment, je pense. Hein. Ah ouais. Oh, vraiment. Ils vont vous rocket. Je pense. 2-2. Recharge. Un mort. Bien joué. Il est au sol. Vous avez mis des heals. Il met une échelle. Je recharge, garde les lignes. Et après je garde la ligne au DB. Ils vont vous roquette en fait. Est-ce que je viens de l'extérieur? J'ai envie. Ah bah grief. Ils ont juste grief. Ah non. Il a pris une tête, je suis mort. Mort. Deux morts. J'avais spawn. Oh non. Un HP les gars. Allez, barbe. Bon, en réalité, ça nous a bien fait rire. Perdre cette base de farm n'est pas si grave et on s'est bien marré. Mais vous me connaissez. Certes, c'est un raid qui ne leur a rien apporté, mais je décide d'aller réaliser une petite infiltration chez les Soso. Leur base est énorme et je vais tenter de trouver des failles pour m'infiltrer chez eux. Thank you.
Ce move va engendrer un événement qui va chambouler la suite de notre wipe. La provocation à l'état pur, puisque j'avais changé plus de la moitié des noms de leur vending en ajoutant notre tag de clan. Et clairement, ça ne leur a pas plu. 2 heures après cette action, un assaut digne du GIGN va avoir lieu sur notre base. Le premier raid défense de ce wipe, et on commence face au plus gros clan du serveur. On va devoir être solide, car actuellement, nos chances de win sont en dessous des 50%. Je suis même pas d'accord. Hein, les gars qui craftent, hein, s'il manque des trucs, craft des AK ou quoi. Craftez des AK. J'ai 0 AK. Craftez des AK, les gars, s'il vous plaît. Toi en craft. T'as le Raven ? Non. Et y'en a 0 dans les lockers. Ouais. J'ai full hit. Ah, là je vais. Prenez des HV, ouais. Prenez pas de vrai roquette pour le moment. Non, faites HV, les roquettes. Je suis en train de les défoncer à l'HV. J'ai juste pris 6 HV. Moi ouais, j'ai pas d'accord, je défends là, je vais. Ah, marre. Dessus de la base, il y a un locker au-dessus. Pour le rocket PVP, les gars, ça me bat les couilles. Hein. Ouais, faut gagner là, obligation de gagner, les gars. Ouais. Rocketer la base de raid. C'est en face la base de raid là. Oui. Bah, la vie de manière, faut rerocket la base de raid. Hein. Ouais, avant qu'ils build. Les gars, s'il vous plaît, 2-3 qu'ils envoient que des HV. Pour le moment, on ne pas la base de raid parce que pour moi, ils ont pas ramené les roquettes encore. Attendez avant de roquette la base de raid. Et on y va, il faut 4 roquetteurs, vraies roquettes sur le top. Moi, et, dès qu'ils commencent à roquette, on roquette. En train de taper. Attendez 2 secondes, ils mettent des tourelles. Non, HV LED ici. Ouais, go commencer à activer par contre. Les gars, il faut 4 mecs avec des vraies roquettes au top. On va roquette leur base de raid dès qu'ils commencent à roquette, ok? Préparez-vous déjà. Les gars, prenez 6 roquettes, 6-8 roquettes. Et les scraps, vous l'avez vu. Ils ont des bottes, ça va. Bibi, il y aura la main en HQ, je sais pas. Ne roquettez pas leur base de raid pour le moment. Juste une tourelle. Oh, il m'a. C'est quel côté déjà? Côté ouest. La base de raid, je parle. Moi, j'ai un bégay, y'a des pics de bâtards. Il y a des pics d'enculés, les gars. N'oubliez pas, il y a des potions de win aussi, ça peut peut-être aller. Ah oui. Pour le moment, les morts, c'est rien de leur dire quand on fait des morts tant qu'ils ont pas roquette, go pas. Et les gars, quand ils reçoivent le Rossil, c'est ce qui va nous faire win de Rossil de base. Allez, les gars. Deux qui s'occupent du Rossil, les gars. Vas-y, Herbaz, donne des rolls, s'il te plaît, frère. Bibi, Rossil. Qui ont l'habitude, ceux qui ont l'habitude quand même. Ouais, je veux Rossil. Zabda, Rossil, vas-y. J'ai vraiment plus de chiots, les gars. Pour remettre une TC. Ceux qui peuvent mettre TC sont tous morts. Allez, faut aller chercher les C4. Allez chercher les C4, allez, les Nike. Nice, j'ai raid. Les gars, j'ai fait 40 HV en plus. Bah, mais dans Boom, hein, comme ça on sait exactement. Ah, ouais, c'est pour ça. Il build une big tour, va falloir les détruire. Ah, tu peux me relever ou pas derrière toi? Ah, il y en a un où ils ont pété la TC. Il est où là, le mec qui a sauté? Il est mort. Bien joué. Sexté, les gars. Les gars, ceux qui ont des pistolets à eau, faut vraiment les faire, c'était pas du troll. Oh, y'en a un combat. J'ai pas le droit, je suis désolé. Derrière le wall, fais gaffe. Je vais essayer de replacer une TC, les gars. Y'en a encore un derrière le Lyon. Il a glissé, chef. La même, 250. Il est descendu pour moi. Il est descendu. Écoute, attends. C'est clear? Non, il est presque mort, mais il est pas. Il est derrière le wall en pierre. Je peux avoir un Astra 4, Zabda, t'as un Astra 4, je peux l'avoir. Je suis sur toi,
Dans les suces de vaisseau, ça va. Ah, ouais. Ah, c'est vrai. Dans les trucs, ça suce auto. Il est roquette, le mec de la TC. Ah, mort TC. Ils se sont tués en plus, hein, je crois. Ouais, ouais. Vas-y. Oh, mini, mini qui est HV. Arrêtez d'HV. C'est bon, ça. Les gars, comment les, vrais, les roquetteurs là, comment s'envoyer des vrais roquettes? Okay, oui. Il est mort sur la. Le reste, sur le... à droite, va nous dire. L'éolienne sur la gauche. Bien joué. Ça monte sur l'éolienne, les gars. Il est mort. Non, y'en a encore un. Un roquetteur mort là. T'as l'autre? Tiens, pourquoi tu. Ah, remonte à l'éolienne. Envoyez une, je vais dedans. C'est bon, ça fait pire. Et allez, go, on roquette tout de suite. Allez, les roquettes, allez, envoyez. Un mec qui tient la ligne de la de HV au niveau de l'éolienne. Il le baisse. Allez. Allez, là il faut le baiser, là je vais t'en partir là les gars. Allez. Bon. Y'a pas un mec, je vais là. Je vais pas te détester. Mais en bas c'est toi chef. Ouais mais y'a plus de place droite. Vous vous battez à l'extérieur les gars. Monsieur, prends-moi un lance-roquette s'il te plaît et défonce-moi la HV. Le mec en. Eh hey, mais je vais le faire tomber, je vais mettre l'air dans l'éolienne. Je vais le faire tomber, hein, c'est tomber l'éolienne, ouais. On s'en fout. Je vais faire des... Mais Il y a un hélico qui nous roquette, s'il y a moyen de le... Le raid venait de prendre une ampleur que nous nous attendions pas. Ils n'ont toujours pas commencé à roquette et c'est déjà l'anarchie. Double base de raid construite, des hélicos nous balançant des roquettes, qu'une seule solution pour nous en sortir, et vous allez rapidement comprendre de quoi je parle. C'est mort où moins 4 facile avec les gros. Encore. Oh lolo, j'ai fait un carnage aux gros, j'étais des gros les gars, j'étais des gros. Ouais, je vais lancer des gros, nickel. Regarde, on va y faire roquette, je frère, j'ai tué combien de mecs qui gros. On reste dans un timing pour aussi, les mecs. Tu montes le lance-roquette. Dis-moi quand il y a plus de pic. Et je persatra. Je sais pas, moi je peux m'occuper de Rossil. Que je puisse mettre un. Il faut roquette leur base en bois. Mais en haut là. Je sur le toit. J'ai mis le. Ouais, c'est le toit. J'ai pas dit mon côté. Oh, j'ai fait un carnage avec les grenades. Si, ouais, la même. Les gars, ils sont contents. Ils sont contents du Teco. Ils sont contents. Ouais, on roquette. Ouais, on va sur péter le. Tiens, Raven, prends les grenades. Aidez les Fonda, ils sont en train de Fonda wipe la base. Clairement. Ils sont en train de Fonda wipe la base. Les pitterns, ils sont morts. Au Russie, il faut plus de monde en Russie, je crois. Ouais, et genre, on tous grenades et le reste en Russie. Ouais, full Russie. Les roquettes, roquettez leur wall, ceux qui ont des walls en boîte. Des roquettes, s'il vous plaît, roquettez leur wall pour qu'on puisse passer. Sur le top, peut-être. Je suis en train d'envoyer des roquettes dans l'envers. Encore moins 3-4 je pense. C'est sur moi donc. Et lui la tête devrait pas aller où. Allez. Le mort. Le mort. Le mort. Le dead à la vraie. Si vous avez des lance-roquettes sur toi, j'ai quand même mal. Hein. Et vraie roquette. J'ai une roquette droit. Allez les gars, let's go. Bon, vous venez de le comprendre. Les grenades ont clairement carré les raids de défense. Ils s'étaient enfermés dans des walls pour éviter que l'on puisse les push, mais face aux grenades, aucune issue n'était possible pour eux. On finit par osciller entièrement la base, péter l'ensemble de leurs tourelles et reprendre le contrôle total du secteur. Leur base de raid prise d'assaut, et c'est notre première victoire face aux Soso, qui était plus du double de nous. Nous devions raid nos voisins du dôme dans la soirée, mais avec ce raid, on décide d'aller se reposer pour faire notre premier gros raid du wipe demain. Va donc falloir confirmer notre domination. Bon,
Il est l'heure d'entamer le plus gros raid depuis notre début de wipe. Nous avions comme cible la team Dome qui était une bonne quinzaine et nous sommes dans l'obligation de remporter ce raid. Il faut noter qu'une team française était sur nos côtes depuis le début du wipe et qu'ils viendront probablement counter, donc j'ai préparé un plan qui devrait nous aider. Le but est de prendre l'ensemble de leur TC pour ensuite caler deux bases de raid afin d'en avoir une de secours. Une fois la zone sécurisée, nous entamerons la QM pour que l'on puisse push la base. La base de raid est posée, les tourelles mises en place. Il ne reste plus qu'à entamer l'ascension. J'attends la TC à droite. Ok, vous pétez là, les gars. T'as assez, Raven? De péter les deux balèques. Vas-y, ouais, tu t'en branles là. Les 4 façons. La personne a un peu d'HQ sur lui. On a des walls en plus, les gars, pour continuer le tunnel. J'en ai 20 sur moi. Raven, t'es où? Attention, les grenades, vous savez, les gars. Dans les window, les gars. Ça va, je vais window. Mar window. Bien joué, Ferrand. Les gates elles sont là, je pense que le monsieur. Mais qu'il y a les tourelles, faut que t'avances avec des tourelles. Ouais, c'est ouais. Bon. C'est bon. Ouais, deux, ouais. Dans les fenêtres, t'as sur loot. Attention, là je vais être comme tout à l'heure. Attends, moi j'ai banque, j'ai deux stuff à cash, mais bon. Je vais banque détenu aussi, les gars. Eh bien, c'est nickel, là. On fait ah, tout ça. C'est pour toi, grenade, t'es question. Est-ce qu'on aide? Les gars, ici, vous êtes vite, j'ai trompé des walls, continuez. J'ai dit à ta gauche. Enfermez-vous, hein. Vraiment, faut s'enfermer, ouais, les gars. On se fait un kill ou pas? Oui. C'est pas normal que tu puisses pas build en fait. Non. Pas faire chier au moins. Là, voilà, carré, avec le mur. On va pouvoir... Shooting floor gauche. Viens, Shady, viens. Les gars, venez, on s'enferme. Venez, ouais, venez. J'ai enfermé en fait, les gars, faut que vous vous cassiez d'ici. Viens, crap. Moi. Pardon. Les gars, y'a Vlamon qui arrive dans le back 10. Ok, les 911 arrivent pour counter. On ne doit donc plus perdre de temps. On prend tous les RL et c'est parti. Allez, go, les gars. Coup de grenade, c'est très bien les grenades, les gars. Sous fenêtre, on perd ça. Oh merde. Allez, la finale se casse, les gars, continuez à envoyer. Les incendiaires, s'il vous plaît, c'est maintenant. T'es un petit peu en bas aussi, hein, comme ça on pète bien, hein. À droite, à gauche. Il rebasse, il faut péter un peu plus en bas, Je suis mort frérot, j'ai plus. Mettez un peu plus en bas les gars. Oui, comment ça recycle, il faut incendiaire, beaucoup plus de personnes en incendiaire s'il vous plaît. Mais reguidez de la base de raid, non, c'est une galère à... Parfait les incendiaires les frères. Et roquette un peu plus en bas. On va vraiment tout ouvrir. Faut péter un maximum de bêtes. Continuez à envoyer. Moi je suis plus là, j'ai du délai là. Un peu plus à gauche les gars, un peu plus à gauche les roquettes. Comme ça on ouvre bien. Et ça peut, je vois dans le campagne ça, ils essayent de vous grenade dans le campagne, j'en envoie un. Attention à vous ceux qui sont là. Attention. Ceux qui sont plus de roquettes, défoncez-les, ça nous roquette. Ça cible. Attire les gars. Il faut qu'on soit plus à roquette encore, hein, les gars, c'est pas assez rapide là. Hein. Voilà, on commence à péter les bêtes et tout là. Celui dans la première base de raid, fais gaffe, ça va ouvrir derrière toi. Ah, je crois que c'est moi, hein. Ouais. Continue les incendiaires, Chad, s'il te plaît. Ok, je vais m'en occuper alors. Pétez vraiment bien en bas, comme ça ils sont dans la merde. Y'a les pas qui sont dans la merde. Regarde, dans les walls. Dans les walls, contact. Ouais, dans les walls. Non, maman dans les walls. Vraiment, les roquetteurs, venez dans la base de raid. Nous, moi je me prends 0 balles. Hein. Ouais, c'est easy, c'est chill, hein, la base de raid, vraiment. Ils sont derrière, attention les gars, ils ont pété la première base. Y'avait rien dedans en vrai. Bon, on s'en prend. Y'avait des roches, les gars. Non, je pense rien. Y'a rien, y'a full. Oui, c'est cool. Y'a 3 coffres remplis d'AK. Comment t'as de transfert Je rentre dans la première base, mort. Je
cantina en quête, donc on va le gérer derrière. Vas-y, moi je gère. Ils sont montés à 4 dans la zone. Je gère le raid, je gère le raid, toi gère le coup, la balle de raid. On va gérer derrière. Les gars, pétez en bas, pétez carrément en bas, les gars. Le China, le China, comment ça péter le China? Ouais, c'est dans la base. C'est pas grave, c'est pas grave. Go les défoncer, j'arrive au repas. Et moi, je peux t'en péter ça. Vas-y, fais. Il faut ramener des fouilles dans la porte de la deuxième base. Il y a des tourelles qui sont en bas, on peut déjà commencer à. Ah, les HV, moi aussi, il me fait tirer sur par des tourelles de merde. Tant qu'elle pétait les feds. Vous voulez pas les HV les autres? Bah HV dans le... Ouais. Dans la... Deuxième coffre. Regardez vraiment en bas, il faut que péter en bas les gars, que du bas. Deux droite. Moi je fais roquette. Si t'as besoin de roquette, si tu me dis. Je tiens. Y'a des mecs ou pas dans la première base de rallye? Non, bah y'a plus rien dans la première base de rallye, c'est intérieur. On va se mettre un truc, nickel. Non, ils sont ensemble. Ils pètent nos tourelles à droite, juste à droite, si quelqu'un peut le roquette de la base de rallye. Ils sont ensemble, hein. Et ce sont les 911. Hein. C'est bon, les gars, ils ont pris. Tu sais plus que pour ce que tu. Je suis pas là, gros, j'ai plus que c'est déjà. Allez, ça y est, les gars. Les gars, tourelle on à gauche. Mais les gars, on peut commencer à avancer. Avancez avec des roquettes HV, s'il vous plaît, à l'intérieur de la base. On commence à avancer, on va prendre le contrôle tranquille. Tout est pété chez eux. Il y a tout le loot. Les mecs qui roquettent. Venez avec des HV, ouais. Ça y est. Arrêtez de roquette vêtements. Juste incendiaire et c'est tout. J'ai ouvert le site. À ce moment-là, nous avions le contrôle du raid et étions à deux doigts de récupérer le loot de la base. Sauf que les 911 commencent à avancer dans notre dos. Ils avaient déjà pris notre première base de raid et vont tenter un assaut final sur la deuxième. Nous n'avions plus le choix. On décide de reculer pour défendre notre dernière tour de raid, car si on la perd, c'est fini pour nous. Les gars, on a le contrôle de l'intérieur. Rentrez. Transfert, les gars, on transfère rapide. T'as pas l'échelle? J'en ai 10. On se fait full rocket la base de raid, Ok, toi tu voulais gérer les gars, y'a plus de. Non, y'a 8 rocketeurs là. Ah bah. Dans 30 secondes je suis là. J'ai HV les gars, bah mettez leur des HV. J'ai 8 rocketes là. Les gars, go. Fais gaffe, les rockets HV. Ça rentre. Touché. Envoyez une roquette dedans. Mort, hein. Je suis dead. Les gars, droite, je suis dead. Il faut les roquettes, hein. Roquettez les. Ah ouais, mais là, on est deux dedans, on est deux à def. Je suis dead. Tout bien. On réussit là. On est dans la merde. C'est nous qui réussissons là. Oui. Ouais, c'est toujours. Ah, en bas. J'ai réussi là, Dio. T'es rentré dedans, t'es rentré? Je suis mort. Il y a un petit agonal de la gauche. Il y a une tourelle en fait, on peut même. Oh le pas. Il est mort lui. Encore un mort. Fumez les gars. On peut pas. Les gars. Encore un dedans. Il en reste un dedans. Ça nous la tourelle ou pas? Non, j'ai wall pour s'est passé. Il est dans la base de raid, les gars. Il est mort. Je viens de le dire, Chibis, sans le répéter. Mort avec une incendiaire. Non, j'allais roquette. Je suis encore dans la base de raid. J'ai pété leur tourelle, vous allez pouvoir voir. Ceux qui ont du timer, revenez dans sa mère, Je suis mort. J'arrive semi là. Pas touché. La tourelle est pétée. Mais y'a rien. Encore un mort. À droite, les gars, à droite. Roland, en bois. Il y avait tout. Il y a un mec qui est mort. On réussit la base. Mais ils ont tout pas la base.
Ah ouais, ils sont en train de re-seal les chiens. Bon, à ce moment-là, le raid est compromis. Les 900 se sont finalement fait clean et on décide de tous revenir pour récupérer l'ensemble de leur loot et se barrer instant. On sait que tout est open dans leur base et que l'ensemble de leur loot est au sol. Ni une ni deux, j'open la base et on est parti. Mort sur toi. Décalé. Ça nous nade, les gars. Y'en a un, shell, les beds. Barrez-vous, roquette les coffres. Y'a tout dedans normalement. Ouais, y'a tout, ils sont fous les coffres. Un mort. Allez, lootez. Ils sont full balle, full off lane. Je suis mort du nade. Attendez, rentrez pas de suite, ils vont full nade les gars. Pick down, on va faire les tourelles les gars, n'allez pas pick down. Il y a les tourelles pick down, ouais. On loot et on se casse. Y'a les batteries. Il est mort. Où ça? Dis-moi. Pick down. Ouais, mais on peut pas là. Niveau de la boule, ça arrive. Il est mort. Bien joué. Je relève. Les gars. Ok, merci. Décale, je vais péter à gauche. Décale, je vais péter les coffres à gauche. Décale, attends. Ouais, voilà. Lootez et barrez-vous. Y'a pas une porte là pour aller vers la TC? Ça ouvre, ouais, fait peur. Ça monte, pick down, ça monte. Info sûr. Foulez-vous les boys. Foulez-vous et baquez. Baquez à la base de raid, au pire, mettez dans le coffre base de raid, on s'en fout. Non, mais... y'avait rien dans la base de raid, on a pas accès. Y'a plus rien, gros. C'est... Ok, bah prenez plus important. Faut faire un aller-retour tous ensemble, bonne chance. Ouais. On est en mini. Attends, moi je suis à la brèche, vous pouvez venir me full. Comme à l'HP, 700. Mini on peut. Ah, faut péter ça, les gars, putain. Ouais, le milieu, je vais essayer de péter le milieu. Le timing parfait, aucun transfert n'avait été fait, et nous allons tout aspirer jusqu'à la dernière miette. Mes mates vont par la suite raid leur starter, où ils vont récupérer plus de 2 coffres de soufre et un coffre d'AK. Ils avaient donc transféré une partie du loot, mais on finit par tout récup et les éliminer du secteur, puisque l'on va pas se priver de les griefs. Un raid exceptionnel où l'on sera passé par différentes émotions. Cependant, une team nous a marqué et on ne compte pas laisser passer ce qu'ils ont fait, et la conséquence sera terrible pour eux. Oui, les 911 team française est clairement la plus grosse team de streamhacker de Swipe. Rappelez-vous, en début de web, j'avais infiltré une team française se nommant les HKO et vous avez dit qu'ils nous seraient utiles par la suite. Cette fois-ci, ce n'est pas contre, mais avec nous qu'ils seront. Une alliance raid pour réaliser le plus gros raid de ce wipe contre la plus grosse team de streamhacker du serveur. On n'a qu'un objectif. Les détruire entièrement sans penser une seule seconde aux ressources dépensées. Le plan est simple, les HKO builderont de leur côté en s'occupant principalement des counters. Nous on devra gérer l'inté après avoir explosé leur base. La défaite est impossible et on donnera tout pour remporter ce raid et vous avez ma parole. Allez Yanko. Y'a des cases s'il vous plaît les gars comme j'ai demandé. Merde, faut mettre la TC. Bibi, mets ta TC s'il te plaît. Pourquoi il nous tire dessus les collègues? Pour améliorer la fonda en paille côté droit de la base de raid. Elle est où ta TC Bibi? Deuxième étage. Là je connais pas. Il faut une TC 4, c'est le contact au caillou. Viens TC 4, c'est le contact au caillou, viens s'il te plaît. Attends, TC 4, TC 4. Je veux dire, moi j'y vais les gars. C'est nous les C4, c'est nous, tu sais. Une fois les TC pétés, nous nous sommes mis d'accord avec les HKO pour débuter la QM. On doit leur mettre une pression monstre et croyez-moi, on ne lâchera rien tant que leur base n'est pas détruite entièrement. Bah, un trou, hein. Ouais, allez, on va aller chercher celle-ci. J'en prends. Oh mon fou.
tout cas t'as pété des gens. J'ai gagné les gars, t'as rien. Il va mourir normalement. Tant Pétez en bas, on commence à péter en bas les gars, on commence à péter en bas un petit peu. Ouvrez le compound. Ouais, un quelqu'un qui fait compound. D'accord. Faites un grand trou en vrai. Hein. Ouais, plus de base les gars, plus de base. Hein. C'est bâtard. Hein. En bas, il est bien en bas, il s'est pas trouvé encore en bas. Fenêtre droite les gars. Je commence à toucher un incendiaire mais j'en ai plus. J'en renvoie. QM maintenant. Ouais, on aura pas assez pour fondre un or. Pétez en bas, y'a des trucs en métal s'il vous plaît, ça va nous casser les couilles. Il faut commencer à péter les tuiles dans pas longtemps. Pétez vraiment bien en bas. Et bougez pas trop aussi quand vous roquettez. Prenez des incendiaires aussi les gars. Voilà, c'est full incendiaire qu'il va falloir. À droite. Ça réussit. À droite les gars, droite. Évitez que ça réussisse s'il vous plaît. C'est les FL dans la droite. Il en bas l'autre. Allez, envoie les incendiaires là. Incendiaire. T'as dit quoi? Faut les empêcher de réussir là. Bah ouais, mais faut les incendiaires, on en a pas. Après, c'est bien trouvé. Dans la fouille. Bah allez-y, hein. Si c'est où ils sont, allez-y les gars. À droite, les gars, campagne droite, s'il vous plaît. Bah envoyez des HV aussi, les gars. Campagne droite, au pire, des 4 points. Voilà, votre calé dessus. Tirez, les gars, sur la faille. Il reçoit l'envoi. Ouais, c'est rien pour le moment. Par contre, il pète en métal en bas. Faut vraiment. Les gars, un qui prend une salle, déjà des incendiaires, s'il vous plaît. Je ne sais pas où elles sont, sinon je serais parti. Il y en a plus. Il y a des incendiaires pour l'instant. Il y a des incendiaires. Où il est ton corps? Il est à droite, mais je peux pas me relever. Il y a des FL à droite. Et on peut me wall? Oui, on peut wall mon corps. Je wall à droite. Ah, je suis mort de l'intérieur par contre. Gardez un peu de roquettes les gars, attention. Hein. Bon, vraiment, c'est... J'ai wall pour pas qu'il me casse les coups. Par contre, ça aussi là, on parle, what the fuck. Ils ont des tourelles ou pas? Ouais, y'a un peu de pété. Grenade, attention. Y'en a pas mal ici. Y'en a 5 gros. Je peux jouer dedans. Un mort à l'intérieur. On peut pêcher. Les gars, faut pêcher. Je suis dedans, y'a pas de tourelle, je suis dedans. Allez dedans, arrêtez la roquette les gars, c'est bon. Je vais plus dedans. Gros, c'est les alliés qui nous tirent dessus, un qui les move s'il vous plaît, je suis à l'intérieur. Ouais, je vais rentrer. Dis qu'ils tirent pas sur les mecs à l'intérieur pour le moment. Et qu'ils rentrent pas avec nous, hein. Faut pas qu'ils rentrent avec nous les collègues. Qu'ils tirent que sur les mecs sur le top. Je leur ai dit, c'est dans l'intérieur. Je suis wounded au deuxième étage là. Ok, maintenant on loot et on se casse. Prenez des inventaires et rentrez à la base. Derrière. Il est bas. Il est batterie là, ramène pour les roquettes. Oui, je sais, je relève le collègue. Tu fais des roquettes, t'es dans les boîtes. J'ai trouvé, j'ai le refil. Ok, j'ai trouvé tout le souffle. Rentrez, allez à la base. Ici, où je suis. Et roquette, il y a batterie. Mets une tourelle là où il y a la brèche s'il te plaît. Du coup les roquettes aussi pètent leur vrai bête si tu veux. Oh y'a full gate GP les gars, venez en... Là, les gars, dans nos premières bases. J'essaie de gérer, j'inquiète. Il est là sur moi, devant moi, Airpass. Votre cat a des échelles ou pas? Il est contact à toi, Airpass. Moi je l'ai raté, ouais. Allez là, je vais. Dans les pics des rampes. Grand, j'ai un inventaire. Il faut qu'il y en ait plus qui viennent nous Ah. Il faut
lui il faut le niquer. Regarde, première base de mec. Première base, qu'est-ce qui se passe? Il est mort, va. Je vois pas rien. Ils se cachent en dessous de la petite fondation tout à droite. De toute façon, Irbas, on est en train de transférer là, il faut protéger, transférer à là, c'est pour ça que j'irai à droite là, moi. Là, vraiment, essayez. Moi, je viens de ramener encore pas mal de GP là, de lignes. J'ai un inventaire de sous-bas. Ramenez un. J'ai actuellement le sourire en vous faisant la voix off, car éliminer de cette manière une team qui a tout fait pour te pourrir ton wipe est un véritable succès, surtout quand tu récupères autant de ressources dans un raid aussi remarquable. Les HKO ont réalisé un travail incroyable en protégeant constamment notre back, et après un raid qui a duré quasiment 2 heures, on finit par transférer l'entièreté du loot de leur base en se chargeant de les griefs de fond en comble. Un wipe qui se finit en beauté après avoir remporté un raid défense face au Soso, éliminé nos voisins du dôme et fonde à wipe la team qui a tenté de détruire notre wipe. Et je pense que je peux le dire, nous avons été les rois de la neige dans cette aventure. J'espère sincèrement que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à la liker et à vous abonner. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau wipe. C'était Raven. Ciao ciao.